Bonjour à tous. Comment arriver de sortir notre potentiel caché, le dévoiler dehors? Comment on peut faire ça? Alors chacun il a ses forces. Chaque fois on doit faire un acte que de se donner, de faire un acte quand on sait pas exactement le résultat. On pense, on a une logique, mais on doit se donner, on doit sortir de nous-mêmes pour renouveler quelque chose qui n'était pas avant. On ne sait jamais jusqu'à la fin le résultat parce que ce n'était pas avant. Le sacrifice de Tamid, c'était un sacrifice qu'on donnait le matin et le soir. Et ce sacrifice, il fait un lien entre la nuit et le jour, et à la fin, le jour et la nuit. Ça veut dire que la nuit signifie le côté potentiel. Là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est dans l'obscurité, c'est pas sorti encore dehors. Et la journée, c'est le côté dévoilé, le côté logique. On voit comme les choses marchent, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On doit faire un lien entre les choses. On prend de la force toujours du côté caché, qui est encore dans le potentiel. Et pour faire ça, on doit se donner, mais complètement. On doit être mobilisé à ça complètement. On ne sait jamais exactement le résultat, mais comme ça, on arrive à sortir de nous-mêmes. Et le Korban Ola, le sacrifice de Ola, il monte complètement en haut. Il n'y a rien qui reste. Et c'est comme ça qu'il fait un lien entre l'obscurité, le dévoilement, le potentiel, et le côté qui exprime le potentiel, si vous voulez, dans le côté privé et dans le côté national, dans le côté de Am Israël. Il y avait un débat sur ça. Est-ce que quelqu'un personnel peut amener la Ola, peut donner cette Ola, ce sacrifice, ou ça doit être toujours, ça doit venir de tout le peuple. Et Chachamim, ils ont dit que ça peut pas possible que quelqu'un privé donne ce sacrifice. Pourquoi? Parce que comme dans l'exemple qu'on a dit, quand on veut se donner, quand on veut arriver à sortir tout notre potentiel, on doit être complet avec soi-même, si vous voulez. Chaque force doit être en harmonie avec l'autre. Quand tout marche ensemble, on arrive à faire un nouvel acte qui arrive à exprimer quelque chose de nouveau. Mais si une partie est contre, une partie collabore pas, et une force, on n'est pas identifié complètement, la main droite est contre la main gauche, ça marche pas. Ça doit être complet. Et pour que l'homme privé arrive à ce lien, à avoir un lien, à se lier au côté intérieur, il peut pas être tout seul, parce que dans le côté intérieur tout le monde sont liés, les forces sont énormes. Là on apparaît comme des êtres privés, mais derrière il y a tout. Et c'est pour ça que c'est le public qui doit amener ce sacrifice de Ola. Et ce sacrifice, il s'appelle en hébreu les sacrifices Lechem, le pain du Kadosh Baruch Hu, soi-disant. Ça veut dire le pain, il arrive à faire un lien entre le côté dévoilé, le corps, le côté caché, c'est l'âme, c'est le côté spirituel, etc. C'est comme ça qu'on arrive à exister. C'est ça aussi le corban, le sacrifice, qui arrive à faire un lien entre le côté dévoilé, le côté caché. Et ça s'appelle le pain, le lechem. Et c'est avec en hébreu, lechem, ça vient aussi du mot alchama, quand on colle deux choses ensemble, de matière ensemble, ça s'appelle Al-Khama, l'Al-Khim, ça vient de la racine de l'Echem. Alors, si on résume, agir pour sortir le potentiel, on est obligé de faire un acte, de se donner complètement, de ne pas savoir toujours le résultat, mais croire que ça peut aller. Et comme ça, on sort de l'obscurité toute notre force, on arrive à la faire sortir, les dévoiler. Et c'est comme ça, on étudie ça du Korban, du sacrifice de Tamid, que lui aussi, il fait un lien entre la nuit, le potentiel, le caché, et la journée, le côté dévoilé. Et au commencement, on veut faire sortir du caché pour le potentiel, le faire exprimer dehors. Et après qu'on a tout exprimé, tout notre acte, on veut leur faire monter, avoir encore des sens plus intérieurs. Et ça, c'est à la fin de la journée. À la fin de la journée, on fait encore une fois le sacrifice de Tamid pour faire un lien entre tout ce qui était dévoilé et tout ce qui est caché. On fait tout monter en haut. Il y a encore des sens qu'on peut trouver dans notre acte, etc. C'est ça
le hola du boker du matin et la hola d'après-midi du soir. Ça fait un lien entre les deux côtés de la réalité et c'est un proverbe pour nous-mêmes comme personnalité, chacun personne quand on fait le korbanola. Et ça peut marcher que si on collabore dans toutes les forces entre nous-mêmes et dans la réalité du korban, du sacrifice d'Am Israël, quand tout Am Israël donne son sacrifice, c'est pas un qui donne. C'est la collaboration, la compréhension que derrière nous, il y a des énormes forces et elles sont tous ensemble, elles sont tous liées. Et c'est comme ça qu'on doit aussi maintenant se donner complètement tous en même temps pour dévoiler notre force. Alors, bon dévoilement. Shabbat shalom.